Je m'appelle Geneviève Lahaye, puis mon nom de cosplayer c'est Celtic Sakura ou Celtic Sakura en anglais. Moi c'est Teresa. Et moi c'est Maria Brigali. Moi c'est Philippe Bello. Et notre groupe de cosplay s'appelle Rafalika Cosplay. Moi je m'appelle Jessie Fronette, je fais du cosplay depuis plusieurs années. Je m'appelle Olivia Manchette, je fais partie de la team Incognito, c'est une équipe de cosplay. Puis sous mon nom de cosplayer, on me connaît sous le nom de Pluton Manga. Moi c'est Karel. Alias 381, on prononce pas le 8. Moi c'est Marjorie Parent, alias Yoko Marjo. Je suis aussi membre de la team Incognito depuis Otakuton 2010. Je fais aussi du cosplay depuis 2006, on a commencé ensemble. Je fais du cosplay depuis 2006. Depuis environ 2 ans, 3 ans. On se connaît depuis assez longtemps, depuis 6 ans grâce au cosplay. 9-8 ans. 5 ans, finalement ça fait longtemps. Le cosplay c'est des gens qui s'amusent à construire, à mettre des costumes de personnages, soit de jeux vidéo, de manga, de films parfois. De BD, de romans, ou parfois il y a des gens qui vont faire des personnages qui créent eux-mêmes. C'est un peu comme l'Halloween, mais plus à longueur d'année. Je m'appelle Amélie Carrier, j'ai 21 ans, j'étudie à l'Université Laval. Puis moi, quand je veux me détendre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans la peau d'autres personnages dans les émissions que j'écoute japonaises sur Internet. C'est mixé d'humour, costume, playing. Fait que la partie, non seulement tu fais le costume, mais aussi la partie qui est fun, c'est d'interpréter le personnage que tu fais. Puis, tu sais, ça vient avec toutes les perruques, les souliers, les armes, tous les vêtements. C'est comme un peu du théâtre, là. Du théâtre dans une place publique puis en costume. Fait que c'est vraiment fun. Ça englobe la couture. La peinture, la construction, la coiffure. C'est vraiment, tu peux t'épanouir dans tous les arts du cosplay. J'ai toujours été une fille qui aimait le théâtre, l'improvisation, m'évader dans l'imaginaire. Puis, quand j'écoute des animations, j'ai un sentiment un peu indescriptible à l'intérieur de moi. J'aime vraiment ça, je trouve ça beau ce qu'il y a là-dedans. Je trouve que les histoires sont très intéressantes à exploiter. La première fois qu'on a fait du cosplay, c'était avec justement les trois premières filles de la team Incognito. Je portais pas de perruque. J'étais supposée d'être blonde. Comme tu peux voir. T'es très semblant. C'était très pathétique. La première année qu'ils ont décidé de faire le cosplay imaginaire, on était 15. 15 déguisés. C'était vraiment tout petit. Ça avait l'air comme pas populaire. Fait qu'on s'est dit, ben là, si on est pour être 15 à chaque fois, c'est le fun à faire, mais on peut pas être 15, c'est un petit peu plate. Là. Puis l'année d'après, quand le cosplay imaginaire a refait son activité, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu au moins 100 personnes. Puis on a comme fait, wow, il y a 100 personnes, puis l'année passée, on était 15. Moi, je m'étais promenée sur le site de l'imaginaire, je fais trop. Des photos de cosplay, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, il y a des gens qui se costument fou de monde! Wouah! Capote! Moi aussi, je veux faire ça! Au début, j'étais pas sûre, j'étais vraiment c'est des dessins animés, mais dans le fond, je savais pas que, comme tout le monde, on a tout écouté des animés quand on était jeune, Calimero, Alvator et compagnie, t'sais, on a tout connu ça. C'est un de mes plus beaux souvenirs, sérieusement, là, découvrir tout ce monde-là. Sur Internet, tu vois qu'il y en a aux États-Unis, au Japon, c'est sûr. Puis, oh, là, ça existe au Québec. Waouh! Puis j'ai eu la piqûre parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé me déguiser. La première fois, j'avais pris n'importe quel vieux vêtement, que j'avais pris comme si c'était un costume d'Halloween. Quand j'étais arrivée là, j'avais fait comme, bon, le cosplay, c'est plus qu'un costume d'Halloween. Fait que là, après ça, à 19, 20, j'ai commencé à
je faisais ça à faire venir des costumes par internet. Puis là, je suis vraiment rentrée dedans, j'ai fait des accessoires. Puis je me disais, putain, il faut que je perfectionne mes perruques et tout et tout. Puis je me suis acheté une machine à coudre, puis je me suis demandé comment ça marchait. Ma mère a fait, ben t'avances de même, puis tu cliques là, puis tu recules de même. Pensez à faire avant, après ta couture. Elle m'a rien montré d'autre. T'sais, à chaque fois que je faisais un nouveau costume, j'essayais une nouvelle technique, puis puis là tu découvres dans quoi t'es bon, puis la prochaine fois tu fais quelque chose d'un peu plus dur, puis c'est comme toujours dans le même, t'apprends beaucoup, puis tu sais, tes compétences s'améliorent, puis tes costumes aussi. On est quatre filles, dans le fond, on est une équipe de cosplay, donc on fait toujours des costumes qui vont ensemble les uns avec les autres. Au départ, moi, c'était, je voulais quelque chose de difficile. Je voulais quelque chose que le monde allait remarquer. Ou tout le monde fait quelque chose, je vais aller ailleurs. Je suis pas capable. Je veux pas prendre quelque chose que tout le monde a. Si c'est un personnage que beaucoup de monde a, je vais essayer de faire une version que le monde font pas ou qui ont très mal. Faut que le cosplay représente un certain défi. Maintenant, tu sais, on a fait pas mal. Je veux découvrir des nouvelles techniques. Je veux être obligée de me challenger quand je le fais. Mais plus le temps avance, plus j'ai plus envie de faire des personnages justement que j'aime, que je m'identifie à eux. Faut que tu fasses un personnage que t'aimes. Si tu fais pas un personnage que t'aimes, ça sert à rien. En tout cas, selon moi. Les personnages que j'ai trouvés beaux dans l'anime, on dirait que je vais le cosplayer. Souvent, il est même pas de ma grandeur. Il me ressemble pas tant que ça, mais j'aime le cosplayer. Le look, le visuel, tu sais, ouais, ça j'aimerais ça avoir ça sur moi, j'aurais l'air badass, ou quelque chose genre. Il est donc ben cool, ce personnage-là, faut que je le fasse. Son caractère, si j'ai aimé le personnage, je l'ai trouvé original, s'il m'a fait pleurer ou rire, ou tu sais, un personnage que j'aurais vraiment aimé dans l'anime, je vais vouloir le refaire. Dans une partie de sa personnalité, je me vois dedans. Ça, c'est la première chose. Sinon, ça vaut pas la peine. Je vais être obligé de faire une fausse face. Puis rendu là, c'est comme te mettre un masque et dire je suis quelqu'un d'autre. Le but du cosplay, c'est un peu ça. Mais essaye de filer comme le personnage. Déjà, c'est la première chose. Moi, je suis une personne qui sourit beaucoup, qui est beaucoup énervée. Je peux pas nécessairement. Je serais pas capable de passer une journée à faire un personnage qui est comme genre. T'aimes le personnage, tu veux l'incarner, puis c'est juste un trip. Là. Chacun a son physique, puis chacun a ses goûts. La plupart des personnages sont très, très minces, très petits. Parce que c'est des japonais, c'est ça va dans la définition un peu. Ils sont petits, ils sont pas gros, ou rarement sont gros. Fait que ça, quand t'es plus massif, t'as un peu de misère à faire du cosplay, puis je trouve ça triste. Fait qu'il y a toujours des compromis à faire. Comme par exemple, je ferais pas un costume de Final Fantasy où est-ce qu'on me voit la baleine. Je trouve que c'est pas approprié. Je dirais qu'il y a beaucoup de filles qui se font des costumes de gars. Ça se voit partout, tout le temps. L'inverse est plus rare, mais il y en a quand même. Moi, ça se fait. Mon point de vue personnel, c'est que si tu fais un costume de l'autre sexe, tu t'arranges pour ressembler à un minimum. Pas parfait, là. Il y en a qui se font du maquillage, puis on dirait crème. C'est-tu un gars, une fille ou les deux? T'es pas trop sûr, là. Il y en a que c'est vraiment troublant parfois, là. Les filles qui veulent faire des gars, ils ont ça en trop. Fait qu'on met cette belle petite camisole-là, là. Ça fait. Ça sert avec un velcro, fait que ça permet de faire des gars plus ressemblants. Parce qu'il y a plusieurs trucs de diminuer sa poitrine quand on fait des gars. Là. On peut mettre des bandages, exemple, comme quand on se fout une cheville, là, l'espèce de petit bandage beige. En général, c'est plus facile de transformer une fille en gars parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins japonais qui ont l'air de filles. Dans le fond, la mascarade, c'est un concours de costumes. C'est juste les gens qui ont fait leur costume qui peuvent participer. Généralement, c'est le gros événement de la fin de semaine. Il y a deux volets à ça. On va être jugé pour la présentation, pour le costume. Tu vas te présenter devant des juges qui vont regarder ton costume, comment tu l'as fait, comment tu l'as travaillé. Tu vas leur expliquer un petit peu, vanter ton costume, comment tu l'as fait, qu'est-ce que tu es fier dedans. Après ça, tu as une minute pour le démontrer sur la scène. Ça peut être de deux manières. Soit tu fais un style parade de mode. Tu rentres, tu tournes, tu ressors. Ils vont marcher sur la scène, essayer de faire quelques mouvements pour montrer bien leur costume. Ou il y a la manière des skits, que nous on fait plus, un petit peu plus. C'est vraiment de faire comme une petite mise en scène d'une minute qui va montrer ton costume, mais qui peut montrer d'autres choses. C'est comme, ça peut être une petite histoire, fait que c'est fun pour ça. Puis enfin les juges voient la mascarade et regarde des interprétations et ils donnent des cotes ou des points sur certains aspects. Puis après ça, ils donnent souvent des prix pour le costume, pour la présentation, des fois pour les deux. C'est des belles reconnaissances. C'est pas nécessairement genre, des cadeaux qu'ils vont vous donner, mais le petit ruban, c'est ta fierté de monter sur la scène, d'aller le chercher. C'est sûr, il y a toujours meilleure présentation sur scène, meilleur costume, mais ils peuvent inventer des prix, meilleure situation des ninjas par exemple.
les ninjas étant un peu les helpers qu'on peut avoir sur scène. Dans le fond, ça va être du monde. Généralement, ils vont être habillés en noir, tout simplement. Leur but premier, c'est de s'assurer que personne ne tombe en bas de la scène. Fait qu'ils vont mettre des tapes, genre vert, jaune, rouge. Puis là, si t'es rendu proche du rouge, là, ils vont taper ses pieds. Parce qu'eux autres sont en bas. Mais souvent, ils vont se servir des ninjas pour faire une coupe de caméo. Mettons, t'as quelqu'un qui est seul pour sa mascarade, a besoin de... ou sont deux, puis ont besoin d'un backup. Le ninja peut juste... mettons, on n'a pas le droit de tirer de flèche pour vrai, ben il peut tenir la flèche puis faire « oui ». Si on commence par le bas de l'échelle, il y a les novices. Novice, c'est simple. Dans le fond, tu te présentes la première fois, généralement, tu vas te présenter novice. Puis, si tu gagnes un prix, ben tu vas te ramasser dans la catégorie « journeyman ». À chaque fois, tes jeux sont un petit peu plus sévères. Puis là, quand tu gagnes 3 prix « journeyman », tu vas monter « artisan ». Puis quand tu es quand même trop pratiquant, tu montes master. Master! Puis un coup que t'es master, ben t'es pris. T'es pris là. Fait que t'es obligé de te présenter dans ta catégorie, jamais en dessous. Tu peux te présenter à un niveau plus élevé. Ça se peut que si t'es novice et que tu te présentes master, ils vont te dire oui ou non selon ton costume. Ils vont te dire ça vaut à peine ou ça vaut pas à peine. Mais c'est ça, dans le fond, t'arrives master, puis c'est ça. Si tu gagnes un prix à ce moment-là, tu restes là. C'est une bonne manière de sauter les échelons si ça te tente pas de passer par toutes les étapes. En bas de 11 ans, je pense qu'ils vont te mettre dans une catégorie junior. Ça, là, t'es pas vraiment dans les autres catégories, là, mais tu peux gagner autant que tu veux. Et c'est cute d'avoir sur scène. Les petits kids, c'est chou. Avoir avec les parents d'habitude, là. Les parents qui font aussi le cosplay, genre le papa, puis le petit gars. C'est le fun en tête dans le champ. Oui. Cette affaire-là. Nous autres, on est master. Je suis encore gradée novice. Moi, je suis rendue au niveau master. Donc, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle, à novice, puis petit à petit, j'ai gagné des prix, puis. Et voilà. On est intermédiaire, mais si tout va selon nos plans diaboliques, probablement qu'après des chicanes, dans 2 semaines, on va être artisan. Quand t'es master, c'est plus difficile d'impressionner les juges. Parce que, tu sais, souvent, les juges, à force de faire des mascarades, tu finis par les connaître. Un master, je vous dis, ils sont critiques. Mais c'est correct, ça fait partie de la chose, sinon. Tu vois, les juges t'évaluent, t'as comme un stress de moins, mais t'as quand même un stress pour ta performance sur scène. Fait que même après que t'es évalué, t'es comme genre, oh god. En même temps, tu vois sur l'écran à côté le monde qui défile, alors c'est comme stressant un peu quand il arrive en arrière après. Ouais! Grosse poignée de main, puis un câlin, t'étais trop hot! C'était le fun. C'est moi qui fais tous mes costumes. Je dirais que je travaille sur un costume. Ça peut aller de 2 à 4, 5 mois, mais tu sais, je travaille pas vraiment intensément sur un costume, là. Tu sais, moi, je vais travailler petit à petit, puis je vais finir par le terminer, parce que je fais d'autres projets autres que le cosplay. Oui, on fait nos costumes nous-mêmes. Le temps qu'on passe est vraiment variable. Comme en ce moment, on est en train de faire une cape des maisons d'Harry Potter. Hein. Faire la cape, c'est environ 4-5 heures pour le coude, plus le temps de découper, donc une dizaine d'heures au total, la cape est finie. Mais on est en train de faire d'autres costumes de Rose of Maiden, qui sont des poupées, donc costumes en velours et de la dentelle. Et on a fait un groupe d'Harry Potter, en fait, pour être plus précis, on a fait les maraudeurs. Donc le père d'Harry, Sirius Black, Remus Lupin et Lily Evans, quand ils étaient jeunes, donc dans leur petit kit de Poudlard. Mesdames et messieurs, monstres et ninja, bonjour et bienvenue à la 82e tentative de séduction de Lily Evans par James Potter. Les gars, elle arrive. Je tiens à vous rappeler que l'école interdit l'usage de filtres d'amour. Lily, tu voudrais pas venir après au avec moi en fin de semaine? Je vais déjà avec ces virus. Oh. Après ça, on a fait aussi une série qui s'appelle Pandora Heart. Pandora Heart, ça c'est un manga et un animé aussi. Et le personnage que j'incarne présentement s'appelle Xerxes Breck. C'est un personnage très très coloré, comme vous pouvez voir, avec des habits assez farfelus et il se met dans des positions toujours assez cocasses. Je voulais faire Sailor Moon. J'ai toujours voulu faire Sailor Moon. Fait que les filles ont dit, ben on pourrait faire comme une thématique Magical Girl. Fait que j'ai fait Sailor Moon, on a eu Sakura Chasseuse de cartes, un personnage de Shigo Chara, le personnage principal en fait, et on a eu Lucie de la série Fairy Tail. Mon costume de Sailor Moon, c'est la version éternelle, fait que c'est comme le dernier costume qu'elle porte dans la série. Mais le léotard, c'est sûr qu'il n'y avait pas les manches,
Il était vraiment comme un léotard un peu camisole. Puis moi, j'ai dû rajouter les manches. Ça ici, c'est du modèle Magic. Ça ressemble à de la pâte Fimo, mais c'est ultra léger. Puis l'autre chose que je trouve cool, vraiment, que moi j'adore, c'est j'ai fait moi-même les boucles d'oreilles aussi de Sailor Moon. Et ça aussi, je l'ai fait avec du Model Magic. Fait que ça fait que la boucle d'oreille n'est pas trop lourde quand je la mets. J'ai déjà gagné un prix du consul du Japon. L'année passée. En Tao Kaka. Nya! Ça m'a pris peut-être 6 mois le faire, ce cosplay-là. Il était long, il était tough, mais ben contente du résultat. Puis en le présentant à le Takuton, là, c'était le summum. Là. Des costumes plus récents que j'ai faits, il y a ma Zelda, que j'aime beaucoup, que j'ai porté pas mal. C'est celle que j'ai porté le plus souvent, je pense. Alors, un de mes prochains costumes, c'est Crystal du film Fairy Glee. Donc, si. J'ai fait la petite jupe, le gilet, la perruque, c'est très très poufy, les ailes, c'est la première fois que je faisais des ailes. J'ai pris du voile, puis je l'ai collé avec de la colle chaude tout le tour, puis pour cacher un peu, j'ai mis des brillants avec de la colle. Ça c'est mon atelier, avec tous mes cosplays en fait que je suis en possession, parce que j'en ai fait beaucoup d'autres pour des amis. Actuellement, je m'installe ici avec couture, matériaux, etc. Sur une table, puis j'ai aussi un mannequin. Fait que ça, c'est ma robe de Padmé Amidala. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est dans le deuxième film de Star Wars. Elle porte une robe comme ça durant un gros 2 minutes. Ma robe de Padmé Amidala, qui était également ma robe de bal de finissant pour l'université. Ça aussi, ça a été extrêmement long. Parce que je sais pas, ça paraît peut-être pas, mais enfin, ça peut paraître un peu, mais il y a plus de 12 mètres de tissu dedans. La perruque, Padmé Amidala a beaucoup de cheveux. Et en gros, c'est juste une très très grande perruque avec beaucoup de frisettes que je remonte. Mon tout premier cosplay, Suzu, de Nagasarete Aranto. Je savais pas coudre aucunement, je l'ai presque toute faite à la main, sauf certaines coutures. Ça a pris beaucoup de temps. C'est un petit cosplay bien normal, là, un espèce de simili-kimono avec une jupe plissée. C'est mon armure de Samus, ma plus grosse création. J'ai utilisé ceci. Je sais pas si vous reconnaissez ça, c'est des tapis de sol. C'est une mousse de tapis très légère, très flexible, très toute, quoi. Tout ce qu'il y a de utile pour confectionner quoi que ce soit. Et ça a fait la plupart de tous mes morceaux. En fait, il y a juste le casque qui était fait en ça. Le casque, c'est un casque de moto modifié. Les épaules, c'est un frame de ballon de basket, en fait. Ici présent, Brick de Pandora Heart. C'est le premier cosplay que j'ai fait toute seule, en fait, j'ai fait moi-même. Les manches ici, c'est les mêmes manches que c'est le même patron, puis même chose ici. C'est le bas ici blanc, c'est le même morceau que ça. Avec la modification de patron, c'est la vie! C'est un manteau qui a été jeté dans les poubelles des résidences de l'Université Laval. Là, je l'ai lavé, puis là, je me suis dit, tiens, plein de poils, et c'est pour faire le costume de Dieu Cerf de Princesse Mononoke. Tout le processus, là, ça mène vers le point culminant qui est porter le costume en convention. Quand tout le monde est capable de voir ce que t'as fait, puis que tout le monde fait « Wow, qu'est-ce que t'as fait là? C'est bien trop beau! » C'est comme, c'est vraiment gratifiant. Là. Tu vois que ton travail est apprécié, puis c'est vraiment fun. On s'entend qu'il y a des costumes qui vont être magnifiques et resplendissants sur du monde, mais une fois que ça s'est bien monté, tu regardes, tu fais « Wow, ce gars-là, il ressemble. » Puis quand t'as l'attitude en plus, fait que ta barouette, qu'est-ce que tu veux de plus? Il ressemble. C'est une copie conforme, mais live devant toi. Mon but des mascarades, c'est d'aller toucher l'émotion des gens, d'entendre le « Wow! » ou des voix quasiment broyées sur la scène. On l'a déjà fait, puis franchement, j'étais content de voir ça. Puis qu'après ça, le sentiment, quand tu ressors, le monde applaudisse, pas juste parce que ton costume était beau, mais parce que tu leur as présenté quelque chose qui les a touchés. Toucher le cœur, l'émotion de la personne, c'est une des choses les plus intéressantes qu'il y a pour moi. C'est le cosplay et le GN qui m'a donné envie de commencer mon DEP en couture. Depuis que j'ai commencé ma formation en couture, ben, je vais beaucoup plus vite. C'est un défi. C'est le challenge qui est intéressant là-dedans. Les costumes qu'il y a dans les animés, les mangas ou peu importe les jeux vidéo, c'est pas tout le temps fait pour être porté dans la vraie vie, on s'entend? Les cheveux, là, on s'entend dans Pokémon, là, Jessie avec son espèce de couette, là, comment ça tient dans la vraie vie? Ça, ce genre de choses-là, puis quand tu veux faire un personnage de même, ben, faut que tu réfléchisses comment je pourrais rendre ça, comment je serais capable de faire des ailes qui sont pas trop lourdes, qui sont pas genre à terre, ou des choses comme ça. Fais quelque chose d'impossible, puis essaie de le rendre visuellement possible. J'étais
j'étais quelqu'un de timide, qui était quasiment antisocial avant. Je restais quasiment chez nous à jouer aux jeux vidéo, puis c'est pas mal, pas plus que ça. Je suis quelqu'un de quand même assez réservé dans ma vie tous les jours. Une fois qu'on connaît, c'est plus le cas. Je pense qu'il n'y avait pas plus introverti que moi puis Karel au secondaire puis au primaire, là. Ça en était maladif. Puis le cosplay, là, au début, on a commencé tranquillement, puis finalement, ça a vraiment aidé à... De toute façon, on a des débiles profondes. On a passé de introverti à débile. Et c'est merveilleux. Avant, j'aurais pas approché, pas n'importe qui, mais je veux dire, plein de gens que j'aurais jamais vus avant avec autant de facilité. Mais maintenant que je l'ai vécu, là, je me dis, pourquoi se cacher quand on aime ce qu'on fait? Fait que ça m'a donné beaucoup d'assurance. Me suis mariée! je veux dire, j'ai connu Phil. Non, mais c'est vrai! J'ai connu Phil dans le cosplay, puis depuis ça, on fait ça ensemble, puis c'est vraiment génial de faire ça en couple. C'est plus moi qui fais la couture, lui il fait plus le robe. Bon, on s'entraide, puis c'est le fun. Je veux dire, je compte plus. Quasiment toutes mes amies aujourd'hui viennent de près ou de loin de ce monde-là. Rencontrer d'autres gens différents, tu sais, de ta vie du travail, de ta vie d'école. Tu sais, vraiment, on dirait que. Quand tu vas dans un festival, puis tu rencontres, c'est du monde flyé. Je pense que ce qui me tient là-dedans, c'est le trip de tout le monde ensemble. T'sais, tout le monde qui trippe sur la même chose. On a du fun, le monde sont friendly, on se fait plein d'amis, c'est génial. Au Québec, j'ai été à Tekiton. La Déchicon. Le cosplay de l'imaginaire. Il y a eu Capitano pendant un moment. J'anime. Et il y a aussi les Comic-Con. Qui est mixte en fait tous les trucs geeks, là, je veux dire, ça implique aussi les trucs de Star Wars et de jeux vidéo et Marvel. Le Tekiton, c'est une grosse convention. C'est le fun, c'est une grosse convention, il y a plein de monde, mais il y a beaucoup de monde. Tandis qu'à Nadeshika et Capitimono, c'est souvent la même petite gang de cosplayers qui se suivent parce que à Québec, on n'est pas tant que ceux qui font du cosplay. Je veux dire, c'est pas une communauté de 1500, là, mais on est une bonne communauté pareille. Fait qu'il n'y a pas tant de monde qui font du cosplay. Fait que qu'est-ce qui est fun dans ces petites conventions-là? C'est plus petit, puis c'est toutes des gens que tu as déjà vus, puis qu'on suit de convention, à Québec surtout. C'est un peu plus froid, si je peux dire. Là. C'est plus. C'est plus dur de retrouver ses amis autochtones. Aussi. Il faut tout le temps que tu donnes des rendez-vous texto avec tes amis, sinon c'est pas aussi friendly qu'à Québec, mais c'est ça, c'est plus grand. Au Québec, c'est plus difficile d'avoir les mêmes ressources qu'ailleurs. On dirait que sinon, aux États-Unis, tu as accès à des matériaux, tu as accès à des trucs. Puis on dirait qu'au Québec, on est comme un petit peu plus loin. Puis là, on va chercher un peu plus, puis payer plus pour avoir des matériaux, des perruques. Quand je vois dans les conventions plus anglophones, on dirait que j'ai de la misère plus à me fondre dans les gens, puis à parler aux gens. Puis c'est comme un peu la barrière. Du langage, mais au Québec, c'est même pas d'aller voir quelqu'un « Hey, salut, blablabla » en québécois, bonne franquette. Ben, je pense qu'on se rejoint toutes sur un point à un moment donné. C'est notre amour du cosplay, fait que je pense que ça élimine un peu les préjugés, tu sais, que, je sais pas, les Français, les Anglais, donc, ils niaisent, là, pis là, ils s'aiment pas. Pis je pense que ça élimine beaucoup de préjugés à ce niveau-là, parce que, quelque part, si on est là, c'est parce qu'on a un point en commun, tu sais. Avec les conventions, les costumes, pis tout, regarde, je vais me montrer à quelqu'un que lui aussi, il est divisé, il a la même passion que moi, je suis sûr d'une chose, s'il l'a, d'habitude, pis il l'a monté de lui-même, il a pas mal les mêmes passions, au moins sur ce point-là, qu'il y a d'autres choses, c'est correct, mais ce point-là, il est commun. Pis tu peux te mettre à jaser avec eux sans même les voir pour vrai. Il y en a qui ont des masques, des fois, des grosses tacs de mascotte, ou juste une perruque. Tu leur vois pour vrai après, tu fais « Ah ben tabarnouche, t'es lui ». Ça, c'est plaisant à ce moment-là, fait que... C'est toujours la fin, t'as l'air d'un maudit marron à chaque fois, puis ça, c'est plaisant. Je sais que, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement compétitifs. Quelqu'un qui va dans les conventions, c'est vraiment pour le concours de costumes. J'ai l'impression que, peut-être au Québec, il y a un petit peu moins cette mentalité-là. Qu'on est plus « Ben, moi, je fais un costume pour le fun ». Puis ça va être ça toute la journée, puis j'ai pas besoin d'impressionner les autres, genre juste pour le fun. C'est sûr qu'il y en a, mais je trouve qu'il y en a moins que, admettons, dans des places où est-ce que c'est plus gros. Je dirais pas que c'est malsain, on le prend aussi à la blague, là. Mais il y en a que c'est malsain, puis il y en a qui se donnent un peu des airs aussi, de diva. La beauté du cosplay, c'est qu'on est, oui, on est extravagant, mais on reste nous-mêmes. Fait que quelqu'un qui joue une comédie comme ça, ça diva, moi j'appelle, j'ai de la difficulté avec ça. Je trouve que ça l'autre le plaisir de faire des cosplays. Si c'est trop compétitif. Pour mettre une chose au clair, à un moment donné dans notre vie, on a
tout dit « Oh, j'aimerais donc bien être comme cette personne. » Puis est-ce que c'est parce que tu le dis une fois que ça veut dire que t'as pas d'estime de soi, là, on s'entend, là? On aimerait ça parfois ressembler à quelqu'un. Puis c'est juste que le cosplay, ça nous permet de le faire pour une journée. Mais une fois que la journée est finie, tu l'autre, on est sûr que tu reviens toi-même. Ça arrive 4-5 fois par année, puis ça dure 2-3 jours, là. Fait qu'on s'entend que c'est pas extrême. Je me cosplay pas à l'école, je me cosplay pas quand je vais... dans l'épicerie ou peu importe, là. Eh ben, Jack, puis des fois, pour les premières de Star Wars, dans Star Wars, personne n'a jamais dit « Oh mon Dieu, c'est étrange, c'est sûr qu'il y a un problème psychologique, il manque d'estime de eux, c'est clair! » Les gens se mettaient dans les personnages parce qu'ils trouvaient ça cool. Ça a été inventé aux États-Unis, là, on s'entend. C'est sûr que peut-être que si c'est la culture des États-Unis, justement, Harry Potter, Star Wars, c'est en fait, c'est comme « Oh, elle est juste vraiment trop dans le personnage ou dans l'imaginaire de cette série-là. » Mais ça n'a jamais été genre « Ah, c'est bizarre. » Comme là, vous voyez, là, je suis allée en costume. Non, je pense pas. Puis pourtant, vous me verriez en costume, je serais pas mal la même personne. Une espèce de fou furieux. Puis ça changera pas. Chaque personne est unique en soi. Il y en a qui c'est pour ça. Il y en a qui mettraient un masque ou un casque pour pas qu'ils se fassent voir la tête. Ouais, ils sont gênés. C'est correct. De mon bord, ben non. Faut que t'aies vraiment beaucoup de confiance en toi pour décider de faire ça, de porter quelque chose, de dire oh, « Regardez-le, je l'ai fait moi-même », ça, ça prend de la confiance. Il faut que tu aies confiance en ce que tu as fait et en ton talent pour dire « Je vais le porter en public ». Parce que c'est une chose de le faire et de pas le porter aussi. Pour porter certains costumes que j'ai portés, ben il faut que tu t'acceptes. C'est des choses que j'aurais jamais osé porter en dehors du cosplay. Mais c'est quand même décent, t'sais, on parle pas de totale indécence, mais quand même. Oui, il y a des costumes plus osés, tout ça. Il y en a qui s'en servent plus pour se montrer. Il y en a peut-être qui sont insécures. Mais regarde, on est là pour avoir du plaisir. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, là, non? T'sais, on peut se l'avouer, c'est quand même étrange. On se costume, on aime ça, on trouve ça cool, puis on se réunit. On doit avouer que pour une personne à l'extérieur, c'est étrange. Un adulte costumé, ça passe déjà pas bien, en plus d'un certain nombre de choses, qu'il y a plein de gens qui te regardent croche. La culture japonaise est un peu enfantine, tu sais, surtout beaucoup d'animes montrent des personnages très enfantins, ce qui fait que ça peut donner une illusion qu'on est immature. Mais c'est pas tous les mangas qui sont comme ça, il y a beaucoup de mangas très adultes, peut-être que les gens qui pensent que c'est très immature de faire du cosplay devraient essayer de regarder des mangas beaucoup plus adultes. Comme, je sais pas, Death Note, Code Geass, qui décide de s'éloigner de l'image du manga enfantin. Mais je pense que ce que j'aime, c'est les gens qui, sans nécessairement savoir pourquoi tu fais ça, ils viennent te voir et sont comme « Hé, pourquoi est-ce que tu portes ça? As-tu une réunion à quelque part? Hein? C'est donc bien beau, c'est toi qui l'as fait. » Ils posent des questions et ils savent même pas c'est quoi le cosplay. Ça, c'est vraiment des gens, ça. Comme une fois, il y avait une dame, quand je suis allée au magasin en cosplay, elle était d'une certaine âge, puis quand je lui ai expliqué ce que c'était, elle m'avait surpris. Elle était assez âgée, puis elle avait dit « Ah, oh, tu viens de mettre la couleur dans ma journée. » Je trouvais ça cute comparé à une fille qui avait mon âge à peu près, puis qui m'avait dit « T'es vraiment en costume, là, c'est pas l'Halloween, là. » En fait, c'est beaucoup partagé. Il y en a que ça les choque, puis il y en a qui trouvent ça intéressant. Tu leur expliques convention d'animé ou tacuton, tu leur dis non, ils comprennent pas. Fait que moi, je transforme ça en festival costumé. Puis je participe à des concours de costumes. Ah, tout d'un coup, c'est différent. Là, tu deviens un artiste, tu deviens quelqu'un d'important. Puis il fait, oh, ouais, il donne un coup ton costume. Fait que ça marche à certaines fois. Ce que je trouve le plus drôle, c'est quand les jeunes disent, c'est bizarre, c'est donc pas cool, pourquoi tu fais ça? Oh, essaye-toi de faire un costume d'un personnage que t'aimes beaucoup. Essaye de faire le costume juste pour voir qu'est-ce que toi ça donne. Que tu préférais-tu que je me saoule à chaque jour? Ça, c'est supposé être un hobby plus normal que n'importe quoi d'autre. Ça me fait penser à une image Facebook que j'avais vue à un moment donné. On voyait une image de super beau cosplay de Final Fantasy X, puis à côté, une image d'une gang de jeunes adultes qui font une party dans un bar. Sur l'image, il était dit « ceci est considéré immature, alors que ceci est considéré normal. » Regarde, hey les gars, je suis sous! C'est tellement plus intelligent! Tu vis tellement plus dans ton monde complètement sous! Moi, je pense que c'est une façon de s'évader qui est quand même saine. On le sait qu'on détonne un peu de la masse, mais c'est ça qui fait qu'on a du fun. Fait que, qu'on lâchera pas ça pour autant, peu importe l'opinion des autres. Surtout dans mes amis ou ma famille, au moins, respecte le fait que j'aime ça. Tu sais, on fait pas exprès non plus d'écœurer le peuple, si on peut dire, là.
Oui, on peut critiquer certaines façons de pratiquer le cosplay, mais le cosplay en tant que tel, regardez, let's go. On accepte bien des trucs plus extrêmes que ça, qui font plus de mal. Si je peux faire leur journée parce que je porte un costume, ben tant mieux. Ils vont arriver chez eux, ils vont dire « Hey, c'est pas ce que j'ai vu, là, l'air. » Ah, tu sais. J'en ai rien à foutre s'ils sont pas contents. S'ils aiment ça, je suis content. S'ils aiment pas ça, ben je suis content pour autant, je m'en fous. Message à toi. Oui, toi qui nous écoutes. Viens, t'en vas, on aura qu'à décès qu'à 4h. Oublie pas ta boîte à lunch. Je suis ton cosplay, on va te montrer comment ça marche. Tu sais, je pense que c'est une mode qui est assez nouvelle. Parce que avant, il y a 5 ans que j'ai commencé, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors que, tu sais, par exemple, au Japon, ça peut être malade, tout ce qu'ils ont fait. Puis c'est le fun de faire connaître le cosplay. Je pense que c'est encore trop méconnu. Je pense qu'il faut que ça soit plus connu. Puis c'est avec des trucs comme ça qu'éventuellement, on va finir par l'avoir. Pour moi, c'est un art. C'est vraiment. Les gens, on voit des talents exceptionnels là-dedans. Puis je pense que pour ça, être reconnu comme tel, puis être plus respecté. Puis je pense que c'est en faisant, en parlant de plus en plus que ça va arriver.